Bon, les gars, il y a un petit moment, j'avais vu une vidéo de Modin Malin, que vous devez tous connaître ici, sinon allez voir son travail, qui s'appelait, en toute sobriété, « Il n'y a pas d'intellectuel de droite ». Dans ce podcast, très intéressant au demeurant, Modin développait l'idée que la droite étant la constatation de l'ordre naturel des choses et la gauche la tentation intellectuelle de tordre la réalité pour faire jaillir de nouveaux concepts et de nouvelles idées, il était normal que les intellectuels, dont la fonction est précisément de produire du concept et des idées, se classent plutôt à gauche. Bon alors ça c'est une thèse vraiment intéressante, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Selon moi, s'il fallait expliquer par une cause majeure la propension des profs de fac et des essayistes à pencher à gauche, il faudrait moins la chercher dans une grande explication philosophique et métaphysique que dans une bonne vieille cause, attention je vais utiliser un gros mot, sociologique. Les sciences sociales. Pour le dire autrement, c'est parce que les facs sont devenus des bastions d'entre-soi gauchistes déconnectés de toute forme de réalité que les profs, les chercheurs et les étudiants qu'elles hébergent, déforment et promeuvent viennent ensuite vous vomir des inepties level Sandrine Rousseau ou Coup de la virilité sur les plateaux télé ou en couverture de leurs essais Eco Plus made in la Fnac que personne ne lit. Alors la virilité, si on remonte à l'étymologie du terme, en sanskrit vira, le héros, vire l'homme, voilà, tu mens, frère. Cuisine. Mais tout ça, même si c'est fort intéressant, j'en conviens, c'est pas ce dont on va s'occuper aujourd'hui. Parce que ce qui m'a interpellé, moi, à la fin de cette vidéo, c'est que si on peut dire que la plupart des intellos qui ont pignon sur rue aujourd'hui sont des bons petits soldats du marxisme culturel ambiant, côté écrivain, c'est pas la même limonade. Si là, vous sortez dans la rue et demandez à quelqu'un de vous citer un écrivain français actuel très connu, et je parle là d'un vrai écrivain, pas de Lévy, Musso ou d'Acosta, vous allez certainement avoir le même nom qui revient en boucle, Michel Houellebecq. Bon alors lui j'en ai déjà parlé en vidéo, et honnêtement vous savez que je ne suis pas fan du personnage, et que je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'éloges qu'on lui adresse souvent, sans trop réfléchir. Mais ce qui est indéniable, c'est que ce bougre, aujourd'hui, à tort ou à raison, il incarne la figure de l'écrivain dans la tête de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il représente LE gars capable de narrer une aventure pas trop manichéenne sur notre temps, dans une langue pas trop pauvre, quoique, et en abordant des problématiques de société assez importantes ou appelées à le devenir. Et en parallèle, toujours à tort ou à raison, Houellebecq, il est vu comme un type de droite, voire d'extrême droite, depuis qu'il a eu le malheur d'oser aborder le problème de l'islam dans un bouquin pour lequel il a été sommé de s'expliquer et de dire que les musulmans étaient tous gentils au JT de Pujadas, la veille des attentats de Charlie Hebdo, ce qui représente quand même un sacré timing, j'en suis encore admiratif. Houellebecq, un cadeau de Noël à Marine Le Pen? Bon, elle n'a pas besoin de ça. Hein. Ça marche assez bien pour elle déjà, je crois pas que ça changera grand chose à son destin. A few moments later. Et au-delà de Houellebecq, des types comme Raspail ou Tesson, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, ils font quand même sacrément de l'ombre aux Despentes et autres Ernaux qui, elles, symbolisent le gauchisme et même le wokisme dans la sphère littéraire. Alors ma question est simple, pourquoi le match littéraire est-il bien plus équilibré que le match universitaire? Et puis au-delà de ce constat, est-ce qu'au fond, tous les bons auteurs ne sont pas un peu des gros droitards quand même, à bien y regarder? Non mais hé, je vous demande un peu. Et bah tout ça, c'est ce que je vous propose d'examiner aujourd'hui. Mais les gars, avant ça, vous êtes nombreux à demander un format plus posé et réfléchi sur la chaîne, donc je compte sur vous pour appuyer cet épisode en vous abonnant, en activant la cloche, en lâchant un pouce en l'air et, si tout ça est déjà fait, en passant sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Voilà. Allez, on partage l'épisode, on fait monter les scores, on encourage l'algorithme. On est bon? Alors c'est parti. Sociologie des écrivains et anesthésie des aptères, générique. Bon alors avant toute chose, je vous propose un petit jeu. On va citer quelques écrivains vraiment, vraiment très connus, et on va s'amuser à voir s'ils sont plutôt de gauche ou de droite. Vous allez voir, c'est éloquent. Céline, bon, ça se passe de commentaires. Balzac, lui, c'est quand même l'auteur de cette phrase. J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion et la monarchie. Allez, la bise à tout le monde. Donc, autant vous dire qu'Usul le cancellerait en 2 minutes s'il avait seulement pu lire un roman du Pélo. Bon alors quoi, Victor Hugo peut-être? Bah là, c'est plus compliqué à dire, parce que certes, Victor Hugo a terminé sa vie à la gauche de son époque, mais c'est quand même une gauche qui validait à 200% la colonisation, et puis si on regarde les choses d'un point de vue mathématique, sur 83 années passées sur Terre, Hugo en a coulé toute la première moitié dans le camp des royalistes, au point de se faire pensionner par les Bourbons et de dîner chaque semaine avec Louis-Philippe. Philippe,
Je sais où tu te caches. Donc, côté ZAD gauchiste, le type avait quand même quelques lacunes, c'est difficile à nier. Alors oui, je vous vois venir. Vous allez me parler de Zola, et c'est vrai que Zola est très à gauche. Enfin, sauf si on oublie ses positions à l'égard des femmes et de la libération sexuelle, vu que le mec est plus bigame que Maître Gims et son harem de pyramides 4G volantes. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Non. Mais je chipote, ok, ne soyons pas de mauvaise foi, le type est bien de gauche. Ni ni ni, le hussard, tu abuses, tes auteurs sont trop anciens, le concept de gauche et de droite veut rien dire au 19e siècle. Ok, prenons des auteurs morts après 1945 alors. Bernanos, de droite. Lampedusa, de droite. Gary, de droite. Jean d'Ormesson, de droite. Vous êtes pour l'identité heureuse d'Alain Juppé, ou plutôt l'assimilation proposée par Nicolas Sarkozy? C'est vraiment le genre de question qui me fait chier. Yourcenar, bah, vu ce qu'elle disait sur le féminisme, j'aurais tendance à dire... Cuisine. Enfin, je veux dire, droite. Et là, normalement, comme moi, vous en arrivez à un constat assez sidérant. Une écrasante majorité d'auteurs sont soit de droite, soit, comme Camus par exemple, d'une gauche particulière et hétérodoxe. Alors oui, ok, je sens que les rageux vont débouler en commentaire pour me citer 1000 petits auteurs secondaires, oubliables et oubliés, qui se revendiquaient authentiquement de la gauche, mais il n'empêche, c'est quand même troublant cet empilement d'opinions convergentes. Certes, entre les positions royalistes de Bernanos et le gaullisme de Gary, on n'est vraiment pas sur la même sous-famille politique, mais quand même, là, on a un peu l'impression que pour être un bon écrivain, faut avoir une sacrée tendance à considérer d'un œil méfiant, une main sur la gâchette du 12, la moindre idée de progrès. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et si vous acceptez ce constat comme moi, je dis si parce que l'une des caractéristiques de la gauche en général, c'est de nier les évidences, donc peut-être que celle-ci vous troublera aussi, vous avez deux manières d'expliquer le phénomène. Soit vous considérez que c'est la capacité de ces auteurs à perpétuer un héritage et une grande tradition littéraire qui fait d'eux des éléments marquants du canon littéraire, en même temps que des gens portés sur une forme de tradition, et ça c'est la vision de droite, dirons-nous, soit vous considérez au contraire que les auteurs que j'ai cités sont passés à la postérité parce qu'ils ont été mis en avant par des capitalistes sans scrupules qui étaient de droite et voulaient encourager les idées de leur camp. Et ça c'est la vision de gauche, pour aller vite. Alors si vous voulez bien, je vous propose d'analyser successivement ces deux idées, de les pousser dans leur retranchement et de voir ensemble ce qu'on peut en tirer. Un grand intellectuel français du XXe siècle, un gars de gauche et même un ami de Sartre, oui oui, ça existe, ne fuyez pas tout de suite, qui s'appelait Henri Guillemin, et que je vous encourage vivement à découvrir via ses conférences dispo sur YouTube, il disait, à propos des auteurs, qu'un écrivain c'est, je cite, « un homme dans le coup, un gars qui a quelque chose à dire sur son époque ». Et ça c'est une idée que je partage intégralement. À mes yeux, ce qui fait un bon auteur c'est la réunion de trois facteurs, un style, une intrigue et un sujet. Et là faut que je détaille un peu parce que sinon vous ne devez pas forcément bien comprendre. Prenons les choses à l'envers. Pour faire un bon livre, il est nécessaire de choisir dès le départ un sujet intéressant, c'est-à-dire un thème, un univers et des enjeux, une esthétique on pourrait dire, à même de supporter une bonne intrigue. Et j'insiste vraiment sur ce mot, supporter, parce que même si vous essayez de développer des personnages attachants et des phrases somptueuses sur un thème tout pourri, au hasard je prends l'exemple des féministes et de leurs histoires vulvo-centrées, et bah la mayonnaise ne prendra pas. C'est comme essayer de construire une maison avec du vent, vous pouvez être le meilleur architecte du monde et posséder un sens esthétique de fou furieux, le résultat ne pourra pas vous protéger quand la bise sera venue. Bon alors une fois que vous tenez un sujet, vous pouvez développer votre intrigue. Ça, c'est le second point. Est-ce que vos personnages vont pouvoir agir les uns avec les autres de façon crédible? Est-ce que leurs aventures vont être prenantes? Est-ce que tout ça va donner envie d'avancer dans le livre au lieu de foncer mater une série Netflix comme un gros décérébré? C'est votre job de faire en sorte que oui. Et pour aider l'intrigue à bien fonctionner et lui permettre de couler dans les méninges du lecteur, il y a le style. Le style, c'est précisément l'art d'agencer les mots pour rendre l'histoire la plus intéressante et la plus captivante possible. Et ça, ça veut dire deux choses. Déjà que le style est le point le plus haut et le plus noble de la littérature, parce que c'est ça qui différencie un texte de mythomane d'un roman. Le roman, il a un style à son service. Et puis, deuxième chose, en conséquence, le style étant au service du roman, il peut évoluer d'un texte à l'autre. C'est d'ailleurs le sens de cette fameuse formule qu'on attribue à Victor Hugo, le style, c'est le fond qui remonte à la surface. En gros, si votre style est parfaitement ciselé et parfaitement adapté à votre livre, il devient indissociable de ce livre en particulier, et c'est ça qui en fait un chef-d'œuvre intemporel. Par exemple, quand tu lis 93, les envolées lyriques, les dialogues laconiques, les punchlines omniprésentes, elles servent à accentuer le sentiment de grandeur historique qui nappe des personnages qui se battent sur fond de révolution française, d'abolition de la royauté et de guerre européenne. Et complètement à l'inverse, vous avez le Petit Prince, qui adopte un vocabulaire très simple et des tournures de phrases volontairement enfantines pour épouser la magie de l'enfance et l'émerveillement d'un petit garçon qui découvre l'univers et s'extasie de chaque nouvel apprentissage. Et avec ces trois points, le sujet, l'intrigue et le style, vous devez bien comprendre que l'écrivain, en réalité, il n'est jamais seul quand il gratte ses textes. Il a toujours dans le rétroviseur toute une série d'auteurs qui l'ont précédé et qui guident sa plume. Quand un clampin d'aujourd'hui s'avise d'écrire, il est forcé d'avoir tout
tout un bestiaire de lourds écrivains, d'Homère à Sylvain Tesson, qui lui gambadent dans les méninges. Et là, vous devez commencer à comprendre où je veux en venir. À force de tendre vers le style de ses maîtres, à force d'imitations grossières d'abord, puis de petites touches de plus en plus habiles et dosées par la suite, l'auteur devient graduellement, à mesure qu'il s'améliore, le détenteur puis le protecteur de toute une tradition littéraire. Et si lui, personnellement, il innove en proposant un style nouveau ou de nouvelles formules qui feront mouche, il sera toujours contraint de constater, avec une certaine amertume, que pour si grand qu'il soit, son apport aux lettres sera toujours infime par rapport à celui de tous ses prédécesseurs. Et si on perçoit les choses sous cet angle, on comprend vite que l'écrivain, par son activité, il a une forte tendance à être un bon gros conservateur, voire un réac 3000 à Sumax. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Le gars, il a pas vraiment le temps de céder à toutes les sirènes de son temps. Lui, il parle avec Musset et Chateaubriand entre deux leuleux claqués sur le boule de Colette. Et bim! Et ça rentre. Excusez-le, il a pas le temps pour les xénogènes renards ascendant tricycle yéménite. Excusez-les, ils ont pas envie. Lui, il est là comme une vestale qui entretient le feu sacré, le feu qui brûlait bien avant sa venue et qui doit continuer à brûler longtemps après qu'il est parti. Et ça, bien sûr, ça n'explique pas à 100% pourquoi les écrivains sont très souvent des gros droitards, mais ça offre quand même une bonne piste de réflexion. À moins que... À ce stade de la vidéo, je pense que certains vont bouillir de désaccord et vont limite crier derrière leur ordi « Quoi ? Mais comment peux-tu dire ça ? Ta vision de la littérature est restrictive et étriquée ? Et Annie Ernaux ? Et Virginie Despentes ? Et Bruno Le Maire ? » Non, je rigole, tout le monde s'en bat les couilles de Bruno LD Latax Le Maire, mais pour le reste, vous allez me dire qu'il y a aujourd'hui des auteurs qui ne rentrent pas du tout dans la logique et le carcan que je viens de vous expliciter, et que ça n'en fait pas moins des personnages importants. Et là, je suis obligé de vous signaler plusieurs choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Il y en a, hein. Il y en a. Déjà, vos exemples, ce seront souvent des auteurs récents, et même des auteurs encore en vie. Et ça, mine de rien, c'est déjà le signe qu'un truc ne colle pas. Parce que se souvenir qu'un gonze existe tant qu'il est vivant pour remuer et le rappeler H24, c'est pas trop compliqué. Mais en revanche, là où la CLSAO est beaucoup plus sévère, quoique naturelle, comme toujours... Naturelle ? Oui. C'est une fois que le Pékin a cassé sa pipe. Là, à terme, pour le défendre, il ne reste que ses textes, et du même coup, c'est plus la même limonade. Si le type n'avait pas vraiment quelque chose à apporter, bah c'est compliqué de survivre, je vais pas le cacher. Et puis d'autre part, je vous ferai remarquer qu'Annie Ernaux, dans son bouquin Une femme, paru en 88, elle déclarait vouloir, je cite, « rester d'une certaine façon au-dessous de la littérature ». À chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a des ordres. Donc là, pour pouvoir tartiner 3000 pages de son insipide existence de boumeuse gauchiste dans l'air du temps, sans s'encombrer de tout l'héritage des lourds mâles blancs patriarcaux qui la regardent furieux depuis le Valhalla littéraire avec une grosse envie de lui enseigner l'inclusion de leur phalange dans sa fif déconstruite, Ernaux, elle est obligée de renoncer à faire de la littérature consciemment. Et ouais, consciemment. La meuf vous explique qu'elle ne fait pas de littérature. Alors, vous faites quoi les Suédois du Nobel ? Vous êtes dur de la feuille ? Eh oui, tout ça je l'avais expliqué en vidéo à l'époque du prix Nobel de littérature, donc je vous renvoie à l'épisode si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Mais si vous êtes vraiment d'irréductible Zapter et que vous continuez à trouver quelque chose au bouquin d'Ernaux, je vais devoir aller un poil plus loin et vous parler d'un élément extra-littéraire très important, l'argent. Ça ne vous aura pas échappé, un auteur connu c'est forcément un écrivain appuyé par une cohorte de gens avides de se tirer un billet sur son talent. Éditeur, libraire, journaliste, critique, derrière tout succès de librairie se cache une belle palanquée de petits intrigants qui désirent souvent, avant tout, asseoir une notoriété pour se remplir les fouilles. Et ça, mine de rien, même si le public des lecteurs n'en est globalement jamais conscient, c'est la raison de base de l'existence de nombreux auteurs et de nombreux courants littéraires. Mais non, c'est pas tabou. Bah ouais, la quête du buzz, c'est-à-dire la soif de faire parler de soi grâce à des propos trash ou sulfureux, c'est pas quelque chose qui épargne le monde du livre. D'ailleurs, quand je vous parlais de Yann Moix et de la grande affaire sur ses dessins d'enfance qui a explosé lors de la sortie de son livre Orléans, on peut se demander si c'est pas un peu, aussi, les arcanes du Petit Paris qui ont fait apparaître cette histoire pour pouvoir braquer tous les projecteurs sur un auteur quand même assez nul et en perte de vitesse commerciale. Et même sans aller jusqu'aux prémices du complotisme, prenons l'exemple de Zola. Lui, avec son regard cru et chirurgical sur la société, il était assimilé, de son vivant, à un écrivain ordurier, voire à un pornographe. Chaque fois qu'il sortait un livre, il y avait une blinde de gens qui critiquaient son travail sans même prendre le temps de le lire, comme ça, par principe, et mine de rien, bah ça faisait sa pub et ça faisait vendre. Remarquable coup, et ces imbéciles tombent dans le panneau. Donc, pour le dire autrement, un écrivain qui vend et qui a donc ses chances de finir dans la mémoire collective en tant que grand auteur, c'est un écrivain qui parle des sujets en vogue à son époque et qui se défie des tabous. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Et ça, ça explique notamment le succès de Houellebecq. Même s'il dit pas mal de conneries sur les sujets qu'il aborde, au moins, il les aborde. Et à une époque plus conservatrice et moins gangrénée par le wokisme et sa cohorte de sensitive readers, ça a pu valoir à quelques auteurs franchement et ouvertement conservateurs un bon gain de notoriété. Mais ça, ce que ça démontre, c'est moins que les auteurs sont de droite ou de gauche,
que leur tendance à se plier à l'air du temps. En fait, la position de l'écrivain, c'est toujours d'aborder les sujets qui angoissent ou fascinent ses contemporains, mais toujours avec un œil un peu extérieur, un peu moqueur, avec une forme de recul que l'écrit d'une part et l'héritage stylistique des anciens auteurs d'autre part permettent et imposent à celui qui prend le flambeau. Et là, on retombe sur un truc de base de la pensée de droite, le bon sens. Et le bon sens ! Il est où le bon sens ? Vous savez, le bon sens, ce truc qui fait que normalement on fait pas twerker des gamins en déficit hormonal dans les églises et on n'envoie pas les sorcières de la postmodernité enseigner la théorie du genre dans les primaires. Et ben, l'écrivain, c'est le mec qui voit à quoi ressemble son époque et qui en parle en prenant précisément le regard d'un gonce qui découvrirait, un peu horrifié, les carabistouilles de son temps. Et c'est pour ça finalement, je crois, que beaucoup d'auteurs ont tendance à verser à droite. L'écrivain, même quand il fait de la SF ou de la fantasy, il est appelé à prendre position sur son temps en rendant une certaine image des débats et des combats de son époque. Et bien sûr, quand tu te retrouves à dire les termes et à appeler un chat, c'est-à-dire in fine à épouser le réel au plus près, bah les carabistouilles de gauche qui viennent te défendre qu'un homme peut être enceint, ça te fait doucement glousser. Alors bien sûr, il y a toujours le risque pour l'écrivain de se gourer en beauté et en profondeur, et de finir par sortir des dingueries colossales dans ses bouquins, un peu comme quand Victor Hugo nous vend l'Europe comme la fin de toute tension entre les pays et un rempart contre la guerre dans Les Misérables. Mais bon, que voulez-vous, même les génies peuvent parfois se tromper. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous rendre sur le site de la Giberne, la maison d'édition du Hussard, pour vous procurer Pays Réel, le roman de votre serviteur. Alors, est-ce que vous me classerez dans les écrivains de droite ou dans les rares écrivains de gauche ? Eh bah, une seule façon de le savoir, me lire. Alors foncez en description et prenez-moi ce lourd bouquin, vous ne le regretterez pas. Et si vous voulez en apprendre plus sur le projet derrière la Giberne, je vous renvoie à ces deux vidéos, juste là. Voilà, bon visionnage. Pour en revenir à notre sujet du jour, c'est largement la liberté de l'écrivain par rapport au ridicule de son époque, couplée avec l'obligation morale qu'il a de ne pas décevoir toutes les grandes plumes qui l'ont précédé, qui font que souvent, contrairement à l'universitaire qui évolue en circuit fermé et qui a besoin de dire les choses dans l'air du temps pour ne pas perdre des subventions et sa bourse doctorale, l'écrivain, il a tendance à franchement, pour sa part, parler mal. Et ouais, allez, abonnez-vous, la cloche, les réseaux sociaux et le Tipeee, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, rompez les gars. Il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cafouilleux, des aptères, n'est-ce pas, ils rampent dans des phrases.